Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce, il m'a renouvelé le souffle de vie depuis ce matin jusqu'à ce soir. Il nous a renouvelé le souffle de vie depuis ce matin jusqu'à ce soir à nous tous, nos familles, nos amis, nos connaissances et tout le monde que Dieu a créé à son image. Nous pouvons que le Dieu... Merci Seigneur. Que le bon Dieu nous pardonne de tous nos péchés à chacun de nous. Amen, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons faire notre prière du soir avant de nous coucher. Prions. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par l'action et par l'omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Amen. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle de siècle. Amen. Ce soir, nous allons prier avant de nous coucher, comme nous le faisons chaque jour. Nous allons aussi demander des intentions pour nos familles. Tout ce qui vous préoccupe et pèse dans votre cœur, la liste des personnes pour lesquelles vous souhaiterez une intervention, les événements de votre journée. N'hésitez pas à confier tous ces sujets et à les placer entre les mains de notre Dieu avant de dormir. Amen, amen. Si vous avez aussi dans votre famille ou vos connaissances ou les personnes, même si vous ne les connaissez pas, qui sont malades, vous pouvez aussi demandez à notre Dieu de les guérir. Nous pouvons aussi, nous tous, demander à notre Dieu de leur donner la santé, ainsi que ceux que vous connaissez dans vos familles ou vous-même si vous êtes malade. Nous demandons tous la guérison. Amen, amen. Nous allons prier. Prions. À présent que les scintillements de la lumière s'est éteint, nous t'implorons, Créateur, avec ta miséricorde paternelle. Garde-nous dans la lumière de ton amour, que nos cœurs rêvent de toi et que dans leurs rêves, ils puissent sentir ta présence. Chantons de nouveau ta gloire dans l'éclat du matin qui va apparaître. Accorde-nous la santé dans cette vie. Renouvelle notre énergie. Illumine par ta clarté, la terrible solitude de la nuit. Ô Père, écoute nos prières. Entends-nous par Jésus notre Seigneur qui règne pour toujours dans ta gloire avec toi et l'Esprit de l'amour. Amen. Prions. Reste avec nous, Seigneur, dans cette nuit et que ta main nous lève demain matin. Nous t'en supplions, notre Dieu, que nous soyons parmi les vivants de demain matin. Amen, amen. Pour que nous célébrions dans la joie la résurrection du Christ qui vit et règne pour toujours. Amen. Prions. Ô Mère du Sauveur, porte du ciel, aide et encourage le peuple qui est tombé, car il essaye de se lever. Vierge pure, le Créateur est né de toi. Aie pitié de nous et écoute-nous. Pleine de douceur, l'ange qui te salue exauce nos prières auprès de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons prier trois dizaines de chapelets de notre Sainte Vierge Marie, notre maman. Moi, je l'appelle toujours ma maman, notre maman. Prions. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Prions. Notre Dieu, garde, protège-nous cette nuit. Épargne tout ce qui est mauvais quand nous allons nous coucher. Toi-même, prends la protection de chacun de nous, de nos familles, de nos amis, les connaissances et tout le monde que tu as créé à ton image, que nous soyons parmi les vivants de demain matin. Nous t'en supplions. Amen. Notre Dieu, exauce toutes nos prières que nous avons déposées sur tes pieds. Nous tous qui avons les fardeaux remplis de problèmes, vide nos problèmes, fais les miracles pour nous qui sommes malades. Pour nous qui avons des problèmes, chacun de nous qui a des problèmes, qui veut la solution, nous sommes venus chez toi pour que tu puisses nous donner la solution, que tu puisses faire des miracles, que tu puisses réaliser nos projets, nos rêves à chacun de nous, que ce soit dans le domaine du travail, les voyages, réaliser le projet de construire ou pour ceux qui cherchent un loyer, pour ceux qui cherchent un CDI, pour ceux qui cherchent la réussite de leurs enfants, de leur mari, d'eux-mêmes, pour ceux qui cherchent le mariage, qui veulent se marier, qui sont fiancés, pour ceux qui se sont mariés, qui veulent des enfants. Tous nos problèmes, nous sommes venus les déposer sous tes pieds pour que tu puisses nous donner la solution. Et nous croyons que tu as déjà fait pour nous. Amen, amen, alléluia, alléluia, amen. Restons toujours les enfants de notre Dieu. Amen. Plein, plein de bénédictions venant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, alléluia, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci pour vous tous qui êtes abonnés. Merci pour vous tous qui me suivent et que nous prions ensemble et que nous continuerons à prier ensemble. Amen. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne pour que nous continuions toujours à prier notre Dieu, à adorer notre Dieu, à louer notre Dieu, à méditer la parole de notre Dieu et que nous continuions toujours à prêcher la bonne nouvelle. N'oubliez pas. Je compte sur vous. Merci. Bonne nuit. Que le bon Dieu continue à nous garder, à nous protéger. Amen, amen.